Allez, bonjour les amis, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Tales of Arise. Alors je sais plus, peut-être Let's Play 36. Alors là surtout, bon, la dernière fois je suis allé sur Rena, hein, la planète morte. J'ai été entré à l'intérieur de Rena, j'étais tombé sur un boss après plusieurs combats. Bon, c'est un peu compliqué, il me restait pas grand chose avant de le vaincre, donc là j'ai décidé, et encore, il manquait pas mal d'objets de soins. Et le pire c'est que j'avais des gardes, mais j'ai pas trouvé de marchand. Donc là je suis allé sur le marchand de l'Anegis. Grâce au vaisseau, hein, j'ai pu retourner voir le marchand. Mais je me dis, autant faire un peu de leveling, forger des armes, prendre des nouvelles armures, et vraiment faire un stock d'objets de soins à fond, donc pour, et récolter du coup des galdes pour ça. Et du coup pour ça, je vais faire des quêtes secondaires. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut retourner où on veut. Donc je vais faire par royaume. Je vais aller en Calaglia et je vais faire les, du coup, les quêtes secondaires que je n'ai pas faites. Donc Amos Ghoul. Hop. Comme ça on va récolter un max de récompenses. D'accord, donc là il est à court de piment. Il s'en sert pour faire de la nourriture et des médicaments. Bah des piments, je sais que j'en ai plein. D'accord, donc il nous a fait des brochettes. Donc son ingrédient secret c'est le piment. Donc j'ai gagné 700 gold, recette de brochette, et après j'ai pas vu en dessous. Donc déjà 700 gold c'est toujours sympa. Ah les fioles de résurrection, mais j'en avais déjà trop, ok. Alors ensuite... Donc dans la Calaglia à Ulzebeck, il y a une autre quête secondaire. Je pense que c'était peut-être la quête pour vaincre Mantis, si je dis pas de bêtises. Et en plus là on est au niveau, parce que je crois qu'elle était niveau 45 ou un truc comme ça. Et c'est le niveau où on est, hein, 45-46. Alors, ah il y en a même deux. Hein. Alors je vais voir celle-là. Hop là. D'accord, lui il voulait rêver, enfin il rêvait de rencontrer Shion. C'est un noble séduisant. D'accord, oui, avec l'histoire du look, ça me parle. Alors, qu'est-ce qui pourrait lui aller quelque chose de haute qualité? D'accord, donc la quête Shion, la critique de mode. Donc lui, il faudra revenir le voir. Ok, donc faut attendre qu'il qu'il trouve des vêtements. Hein. Alors, hop, là, on récupère des œufs. Et il y a une autre quête secondaire. Voilà, non, c'est pas ici. C'est bizarre, je la vois pas. Alors, c'est peut-être un peu plus en haut.
C'est bizarre que je l'ai loupé. Ah, c'est là. D'accord, lui c'est Grenard. D'accord, donc le problème du jour, enfin l'actualité, c'est le logement. Il vaudrait pouvoir donner à chaque famille un vrai foyer. Donc on manque d'endroits viables dans le coin, ouais. Donc le seul qui pourrait faire l'affaire, c'est le village abandonné sur les terres d'Iglia. Ok, il faudrait vérifier si ça tient la route. Donc c'est un vrai repère de Zeugle, voilà. En fait, on va devoir nettoyer le coin pour qu'il puisse s'installer là-bas, je pense. Hein. Ok. Donc commencer la quête, prendre racine. Alors. Donc, éliminer les loups autour du village. Alors, terre aride d'Iglia. Ouais, on voit, il y a l'étoile ici. Hein. Donc là, il y a le feu de camp. Bon, je pense que ça sera rapide à faire, les loups. Vu qu'on est quand même à un bon niveau. Et que là, c'était le premier royaume. Allez, on va affronter les trois loups et le golem. Ah bah là, franchement, un coup et c'est réglé. Effectivement, on est bien plus puissant. Et là, on peut retourner voir Grenard. Alors, hop. Et par contre, je vais après. Je sais qu'il y a la mantis à vaincre que je n'ai pas vaincu. Là, par contre, ça sera plus épique, pardon. Parce que voilà, elle était vraiment niveau 45 comme moi à peu près. Hein. Alors, donnez votre avis sur les vêtements. Ah, on peut lui reparler du coup aux fans de mode. Alors d'abord, Grenard. Ok, donc on a gagné 800 gal et 210 PC. Donc ça c'est bien aussi, des points de compétences. D'ailleurs je vais regarder le panneau de compétences. Ouais, j'ai 1093 points. Donc je peux débloquer des choses. Alors là, 1000. Augmente attaque élémentaire si ennemi multiple. Et ça c'est quoi? Alors augmente attaque élémentaire après avoir mangé. Ouais. Augmentation des dégâts bonus après altération. Ouais. Remplissage de bonus tous les 10 coups, ouais. Allez, on va faire ça. Remplissage de bonus tous les 10 coups. Hop là. Shion.
Augmentation du taux de latération, ok. Dualim. Alors, Arte, élan terrestre. Rinwell. Arte d'air intermédiaire, la lame croisée, ouais. Ok. L'eau. Augmente l'attaque attaque élémentaire mort imminente, ok. Et Kisara. Attaque de scorie. Elle plante le bouclier dans le sol et fend la terre devant elle. Arte renforcée en cas de garde. Allez, on prend ça. Alors, le fan de mode. Il est là. Non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui. Ah, il s'est habillé chic, là. Ah, il a vachement changé. D'accord. Hein? Bon, c'est vrai que c'est un peu vieux jeu, quoi, ouais. Il est un peu hors sujet là, ouais. Alors, on a gagné 1600 gal des 135 PC. Alors, ensuite, on va faire du coup Mantis. Ouais, au ravin de Sandinus. Mantis, ouais, elle est là. Hop, il y a l'étoile. La chasse aux ogles géants. Alors. Ah, il y a un peu de minerai ici. Bon, les tatous niveau 7, hein, ça va être vite réglé. Deux coups d'épée, un coup d'épée chacun. Voilà. Et j'irai voir le roi des hiboux, tiens, après avoir vaincu Mantis. Alors. Ah là, il y a un hibou, tiens. Alors, le petit combat contre les tatous. Et faire les quêtes secondaires. Peut-être que du coup, je vais trouver des hiboux que j'ai pas trouvé au passage. Voilà. Et on a obtenu une queue de chien. Voilà. Donc, j'ai trouvé 22 tatous. 22 tatous, 22 hiboux. Et là maintenant, je vais sauvegarder juste avant. Alors. あ、来てるやつの力を強く。そう、それ。あれ敵を威圧するためじゃねえの?それか中。装甲兵とヘルガイム切るって。背の高さ。そういや、そうだな。あの鎧は元々レナ人がヘルガイム切ると同じ活動をする。どうって。ルル。 Elle a été vexée. Alors niveau 43, d'accord, donc on est un petit peu au-dessus. On est niveau 45-46. Allez, on va faire les frappes bonus là, à fond. On fait toutes les frappes bonus là. Ah, il manquait juste ici Sarah. Allez, le cercle explosif là.
Allez, les amis, cercle de soins, c'est cool. Alors, je vais pas me mettre trop en phase d'elle. Hein, si on peut attaquer derrière. Pour éviter de se prendre trop de coups. Allez, le phénix, envol du phénix. Donc on débrouille pas mal pour l'instant, hein. On lui a enlevé pas loin de la moitié. Donc j'ai fait une bonne esquive là. J'ai esquivé le coup de patte. Ah, commence à courir dans tous les sens là. Allez, tourant infernal. Allez, attaque combinée. Lame de tigre foudroyante. Ok, donc là, il lui reste la moitié. Ah, je suis un peu sonné là. Allez, cercle de soins, ça va me faire du bien un petit peu. J'ai évité le coup de griffe ou le coup de patte. L'envol du phénix. Allez, Shion à 3 bonus là. Ah, le mystique Arte veut pas sortir. Hein. Allez, là, on se débrouille très très bien, les amis. Il lui reste un peu moins du quart de ses PV. C'est largement faisable. Là, ça devrait le faire là. Allez, attaque combinée, hôtel suprême. Donc on va pouvoir récupérer la récompense. Donc on a gagné une fleur astrale qui augmente les PS max de 10. Donc ça déjà, ça serait bien. On a gagné 7 griffes de mantide et donc la fleur astrale. Du coup, hop, on récupère, on va valider la quête. Alors, donc là, il y a une nouvelle quête d'ailleurs, je suis en train de me dire. Oh.
Alors, Nate a un service à nous demander. D'accord, donc on va devoir aller voir Nate. Par contre, alors. Ah oui, voilà. Donc c'était celle-ci, hein. Pour valider la quête de Mantis. Logiquement. Voilà. Ah, 12 600 gal et 380 PC, c'est pas mal, hein. Pas mal, 12 000 gal. D'ailleurs, on va faire un petit tour à l'auberge pour récupérer les PV et les PS. Et voir si on peut pas fabriquer des armes un petit peu, là. Alors, le forgeron. Ah ouais, alors les plus puissantes armes, elles font 20 000... alors, 20 000 gold. Je vais vendre des trucs, des griffes de mantide un petit peu. Os solide. Ouais, j'ai plus de grandes quantités. Peut-être les deux cristals, deux ou trois cristals brillants là. Ok. Alors, fabriquer armes, je peux faire la. Ah ben non! Il manque tous les matériaux pour la. L'unificateur de royaume. Là, il manque le tendon d'Amadan. D'accord, il manque plein de trucs. Donc, je peux faire celle-ci, le Gladius René. Ah ouais, bah en fait, ça n'a pas d'intérêt. D'accord, c'est moins puissant que ce que j'ai. Ok, alors pour Shion. Ça, alors ça peut lui augmenter 56 en attaque, 65 attaque magique, 76 en puissance. Donc on peut faire ça déjà, ça peut être pas mal. Hein. On fabrique en équipe. Dualim, de toute façon il manque des matériaux. Ah si, ça je pourrais le faire, mais il manque un peu d'argent. Est-ce que je peux vendre des trucs? Ah mais non, j'ai déjà vendu. Alors Dualim, j'attends un petit peu parce que je pourrais faire celle-ci, c'est juste qu'il manque un peu de sous. Rinwell. Je préfère celle-là mais manque des sous. L'eau. Bah, je préfère celle-là mais manque aussi un peu de sous. Kisara. Ouais, pareil. Bon là c'est juste une petite question d'argent. J'attends un petit peu. Allez, on se repose.
Je regarde un petit peu les différents bonus des plats. Ah, bonus de points de combat, c'est pas mal ça. Pour accélérer le fait de débloquer des compétences. どうした塩。チーズフォンデュ。いつももっと痛快な食いっぷりだもんな。具合でも悪い。そういうわけじゃないの。ただ全部お皿に乗せて上から Alors, on va continuer les quêtes secondaires, on doit aller voir Nate. Voilà, je vais essayer d'être au top en termes d'armure et d'armes. Alors. Et d'objets de soins. D'accord, il se rappelait même plus. Alors, les terres arides d'Iglia, ouais, on a fait une quête tout à l'heure. Donc, il y a un zeugle là-bas dont il aimerait qu'on s'occupe. Ok. D'accord, il veut que ce soit l'eau qui s'en occupe. Il va y aller tout seul? Ah, d'accord, donc il va pas tout seul, ok. Alors, éliminer le Zug dans la zone confinée. Récupérer les petits ingrédients qu'il y a en haut. Du lierre, voilà. On récupère les petites pommes de terre. Ah oui, d'accord, il y aura une action de terrain à faire. Alors, juste je prends le petit minerai ici. Bon, les deux loups niveau 7, les trois loups niveau 7. Ça va être vite réglé. Voilà. C'est vraiment pour balayer le passage. Alors, ouais, donc là... L'eau va détruire le rocher. Allez, on détruit la barrière, démolir 47 de coups de PS avec l'eau. Alors, alors,
Alors je sauvegarde avant. あれは正しは自分の外見や声の質を最大限に生かして相手人聞きの悪いことを言う私ではなくでもやっぱり何かあるんだなどうやったら俺も気になるな何か特別なしそうだな常に優雅であることを心がけ後ろ向きな考えを持ちながら、言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな 感心している。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも。どう責任を取るつもりだ。そこまで本気にされるとは思いませんでした。 Alors, géant tout nitruant, il est niveau 53 hein, quand même. Hein. Donc il va pas être si simple que ça en réalité. En réalité, ça va pas être si simple, hein. Niveau 53. Ah ouais, d'accord. Donc là, je suis carrément quasiment à zéro de PV. Allez, l'envol du phénix, là. Allez, les frais bonus, les amis. Allez, on en profite, là, tant qu'il est à terre. Allez, le cercle explosif, là. On enchaîne avec la frais bonus de Shion. Bon, il n'est pas infaisable non plus, hein, ceci dit. Il n'est pas infaisable non plus, à mon avis. Je vais quand même utiliser une gelée d'orange. Allez, on me ressuscite. Allez, on continue. Et il y a le cercle de soins, très bien. Allez, Shion, Rinoel, Shion plutôt. Ma frère bonus moi aussi. L'envol du phénix, l'eau, frère bonus. Je fasse attention parce que du coup la jauge de PS diminue très vite. Je vais même prendre une gelée d'ananas. Voilà. Alors on a même pas encore enlevé le cœur hein. Donc il a vraiment beaucoup de PV.
Allez, cercle explosif là. Rinwell. Moi je rajoute ma frappe bonus. Allez, on lâche pas, on le lâche pas. Allez, le cercle de soins, ça fait toujours du bien. Alors là j'étais vaincu, mais c'est pas grave. Je prends une petite fiole de résurrection. Ah, t'as combiné l'hôtel suprême avec Rinwell et Alphen. Allez, on lui a enlevé la moitié là de ses PV. On lâche pas. Et une petite gelée de citron pour Alphen. Allez, Shion, elle est en hors limite là. J'espère qu'elle va lui faire. Ah, elle est en. Il lui reste pas grand chose. Je vais lui donner une petite gelée de raisin. Comme ça, si elle peut nous faire son arc mystique. Ah non, elle est à zéro, ok. Alors, on va restaurer la jauge de PS là. Gelée d'ananas. Allez, qui sera? Allez, cercle explosif là. Bon, il m'a eu hein, quand même, malgré tout. Allez, à moi.
frappe bonus là. Il est stun, on en profite. Ah, moi aussi je suis stun un petit peu. Il sert à frappe bonus. Le petit cercle de soin qui fait du bien. Ah ouais, faut que je restaure la jauge de PS là. Ah, j'ai pas pu faire l'arté mystique. Par contre là. Alors je me prends une gelée de raisin. Et ensuite je vais ressusciter Rinwell. Bon, ça y est, elle a été ressuscitée. Alors c'est Dualim qui a besoin d'être ressuscité. Ah, rupture de noyau, super. Oula, il reste plus que Shion là. Je bénéficie du cercle de soins. Je vais quand même ressusciter Dualim. Voilà. Allez, Kisara, hello. Faut vraiment, vraiment surveiller la jauge de PS. Et aussi les jauges de santé des compagnons. Hein. Ah là là. Bon, heureusement, j'ai pas mal d'objets de soins. Mais je commence à arriver à la fin des objets de soins là. Allez, on y est presque, il nous reste le quart de CP élevé à lui enlever. C'est faisable. Ah, il m'a eu. Alors. Fiole de résurrection, il m'en reste pas beaucoup. Une petite gelée d'orange pour restaurer un peu de PS.
Allez, Kisara. Moi, je vais le stun avec ma frappe bonus, là. Ah, Dualim, super. Bravo, Dualim. Fission tectonique. Génial. Et moi, je le stun. Les frappes bonus de Rinuel et de Dualim. Sean aussi. Ah, il m'a eu. Je ressuscite Dualim parce que Dualim il peut ressusciter les gens. Ouais, je garde la fiole de résurrection qui reste. Faut que je restaure la jauge de PS à fond. Allez, je restaure la jauge de PS encore. Là, faut vraiment pas qu'on lâche, les amis. Faut pas lâcher. On est pas très loin, hein, franchement. C'est faisable. Allez, on restaure la jauge de PS encore. Ah, il m'a eu. Et Dualim aussi? Non. Ah, il m'a eu encore. Incroyable. Au pire, il y a l'élixir. Ouais, il y a l'élixir au pire. Donc j'attends un petit peu. Au pire, j'ai l'élixir pour ressusciter. Mais je préfère quand même les garder, les élixirs. Hein. Bon, ça serait bien qu'on me ressuscite, là, les amis. Ah, merci, Dualim. Ah, Dualim est mort, non. Je sais plus si Sean elle peut régène ou pas, ressusciter ou pas les remèdes. Ouais, j'ai gaspillé un élixir, c'est pas grave. Oula, vraiment là, une gelée de raisin pour Dualim. Ok, super. Moi, je vais prendre une gelée de citron. Super. Cercle de soins. Ça serait génial si je pouvais faire l'arté mystique. Ah, il veut pas sortir.
Il veut pas sortir, purée. Incroyable. Oula, les gelées d'orange, j'ai pas vu. Non, Dualim, vite, vite, vite. Je l'ai de raisin pour Dualim. Je l'ai de citron pour moi. Et je l'ai de citron pour Rinoël. Oh là là, même Dualim. Oh là là, on est tous en... Élixir, c'est que pour un allié. Oh là là. Bon, super, il s'est soigné, Dualim. Je les titron pour Dualim. Et on va remplacer... Rinoël par Kisara, qui a tous ses PV. Il lui reste presque plus rien. Allez, on va y arriver, on va y arriver. C'est faisable. Allez, on va le stun avec la frappe bonus, rupture de noyau. Voilà, on y est presque là, franchement. Je vais quand même utiliser encore une gelée d'orange. Allez, attaque combinée, là, on va l'avoir. Ah, c'était vraiment chaud, c'était vraiment chaud. J'ai utilisé 2 élixirs sur 3. Ça, ça m'embête un peu. Alors, il y avait une lettre, apparemment. C'était une lettre de Zephyr, peut-être, non ?何？どうしたの？親父のだ。息子へ。お前がこれを読んでいるとき、俺たちの関係はどうなっていることだろうかと思う。だが、まずはおめでとうと言わせてくれ。ここまで来たということは、俺の心、強い体。 優れた技、そして何より頼れる仲間を得たということだろうからだ。その全てが揃っているなら、何の心配もいらない。それがお前を正しく導いてくれるはずだ。だから、今は別の話をしておきたい。早々と俺のもとを飛び出していったお前も、いつか 自分で考え決める大人になる日が来る。その時、ダナとレナの間で血が流れることのない世界になっているかどうかは誰にもわからん。だが、たとえそうなっていようといまいと、その世界でお前がどう生きるかはお前が決めろ。人の言葉には耳を傾ける。だが流されるな。最後にもう一つ、 いつかもう一度会うことが叶うなら、直接言うつもりでいるが、明日をも知れぬ未来。
Ah, c'est une jolie lettre. Franchement, très jolie lettre. こんなこと言われて、どうすりゃいいんだ。俺は自分の主であり続けろと、かつてジルファは言っていた。ジルファは自分の思いを伝えた。それをどう受け止めるかは、ローの次第だ。だが、なぜこんな場所にローの父親は手紙を残したのだ。 Ouais, c'était peut-être une sorte d'épreuve en fait, hein. On va retourner voir Net, je pense. Du coup, on a la jauge de PS Max qui est augmentée de 10. Ouais, on a gagné des 8 tentacules, vos collants. Une fleur astrale. Donc on va retourner voir Nate. Ah, Ulzebek. D'accord, c'est Zephyr qui l'a mise là quand Lowe est parti. D'accord, c'était au cas où il n'aurait pas pu revoir Lowe. Ok, en cas de malheur. Ah. L'anneau de sa mère, ok. Donc, anneau de Zéphyr, c'est un anneau précieux qui, aux yeux de Zéphyr, qu'il gardait sur lui en toutes circonstances. Il symbolise les liens familiaux qui l'unissent à l'eau, ok. On a gagné 12600 gal 265 PC, l'anneau de Zéphyr. Et en dessous, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Donc, on a débloqué un emblème pour l'eau, un porte-drapeau. Avec l'augmentation de la limite d'attaque normale qui est déjà débloquée, permet de lancer une attaque normale supplémentaire pendant le combo. Ok. Et on a pas mal de points de compétence. Ok. Alors, est-ce que maintenant en Calaglia on a tout fait? Ouais, on a fait toutes les quêtes secondaires de la Calaglia. Du coup, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, ouais, mais dans le ciel, il y en a quand même pas mal. On continuera les quêtes secondaires des autres royaumes. Il reste quand même pas mal de quêtes secondaires à faire, l'air de rien. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin à peu près une heure, hein, malgré tout, ou pas loin d'une heure, vous aura plu. Lâchez vos commentaires, likez pour soutenir la chaîne, abonnez-vous surtout hein, pour soutenir la chaîne. Et ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play ou d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, notamment jeux vidéo ou manga par exemple, ou autres. Et puis partagez la vidéo bien sûr pour faire connaître la vidéo et faire connaître la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis jouez bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.